Salut les aliens! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, mais dans un autre décor comme vous pouvez le voir. En effet, je suis dans les locaux des éditions Delcourt à Paris pour vous parler d'un événement important. Bon, comme vous le savez, ou pas, je suis en stage aux éditions depuis un mois maintenant dans la partie marketing pour mes études. Cette année nous fêtons les 30 ans des éditions Delcourt, c'est pourquoi le groupe a décidé de vous proposer à vous différentes activités. Le jour où vous voyez cette vidéo, nous sommes le 19 mai, c'est donc à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 17 juin que Delcourt vous propose quelque chose d'exceptionnel. En effet, pendant un mois, les éditions Delcourt vous ouvrent leurs portes dans une expo-galerie présentant différentes œuvres, l'endroit où je filme actuellement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter les événements qui vous sont proposés, on va se faire un petit historique de la maison d'édition Delcourt. Les éditions Delcourt ont été créées en 1986 par Guy Delcourt, ce qui paraît logique. Delcourt est le premier éditeur français de bande dessinée et possède un catalogue de titres vraiment gigantesque, tant au niveau BD que comics, que jeunesse et même manga. Et de nombreux titres phares ont permis au groupe de s'imposer vraiment très rapidement. Je pense bien sûr à Walking Dead, Invincible, Hellboy, Nana, Switch Girl, Fruit Basket, Les Légendaires, Les Blagues de Toto, La Rose Écarlate et tellement d'autres titres. Depuis 2011, le groupe Soleil a été racheté par Delcourt, ce qui a permis à la fois d'accroître leur notoriété, mais également leur catalogue produit. Revenons au sujet principal de la vidéo. Comme je vous l'ai dit précédemment, de nombreuses activités vous sont proposées pour fêter dignement ces 30 années. Et notamment des rencontres avec des dessinateurs et des auteurs, comme Charlie Adler, dessinateur emblématique de la série Walking Dead, Patrick Sobral, créateur de la série à succès Les Légendaires, ou même Jeff Smith, le papa de Bones, qui sera présent. Il y en a encore plein d'autres. Et il y aura également des conférences, et notamment celle de Monsieur Adler, que j'attends avec impatience, concernant son travail sur Walking Dead. Pour revenir rapidement sur le sujet des conférences, malheureusement, il n'y a plus de place, tout est parti très vite. Mais certaines séances de dédicaces restent ouvertes, donc vraiment, n'hésitez pas à venir. D'autres activités vous seront également proposées. Un pop-up store est également créé pour l'occasion, où vous pourrez venir acheter les titres emblématiques du groupe. Une expo-vente a également été mise en place avec des planches originales comme celle d'Eric Powell, Philippe Bûcher, David Mourier et plein d'autres auteurs que vous pouvez bien sûr venir découvrir gratuitement mais également les acheter. Donc que vous soyez de Paris, de banlieue ou même de partout en France mais que vous êtes de passage à Paris, n'hésitez pas à passer aux éditions Delcourt pour découvrir plein de surprises. Si vous voulez d'autres informations sur les 30 ans du groupe, je vous laisse aller checker dans la description le lien pour aller sur le site de Delcourt qui explique vraiment tout. Vraiment tout est détaillé, vous aurez toutes les informations qui vous disent comment venir, qu'est-ce qui vous est proposé, les conférences, les dédicaces, quelles sont les dédicaces ouvertes, quelles sont les dédicaces fermées, etc. C'est super bien foutu. Sur ce, moi je te demande de laisser un petit pouce bleu, de t'abonner à la chaîne, de partager la vidéo en masse pour ceux et celles qui seraient intéressés pour découvrir le travail des éditeurs et des auteurs de Delcourt. Faut fêter dignement ces 30 années. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique et bonne lecture. Tchuss !